Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau food challenge. Ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas essayé et que j'avais pas fait un food challenge. Et là, je suis de retour, comme vous pouvez le voir avec le petit logo par ici, un food challenge classique McDonald's. Car à partir d'aujourd'hui, il y a les offres McDo. Tous les jours, vous avez un petit produit en promo. Et aujourd'hui, on s'attaque au Big Mac ici dans ce sac. Aujourd'hui, on avait le Big Mac à 3€ et j'ai décidé d'en prendre tout simplement 10. Alors là, vous dites, mais comment il a fait pour en prendre 10, sachant que c'est limité par 2 commandes? Bah, tout simplement par 2 commandes. Et oui, du coup, j'ai fait 5 commandes. Donc, si vous en voulez plus que 10, vous faites plus de commandes, tout simplement. Ça fait un petit peu de papier et un petit peu de trafic, mais bon, au final, vous avez votre offre et vous avez la quantité que vous voulez de produits. Donc, c'est parti, let's go. Je vais déballer ça. Je vais faire une belle montagne. On va faire une miniature plutôt stylée. Et puis, let's go pour le challenge. Et voilà, du coup, les 10 Big Mac, ils sont là. Je les ai pas déballés pour qu'ils restent au chaud. Très important, je les ai en plus fait un petit peu réchauffer au four. Parce que 10 Big Mac, ça prend du temps à manger. Et je pense que les derniers vont être un petit peu frios. Donc, on les a bien fait réchauffer. Ici, j'ai une pile de serviettes quand ils m'ont vu prendre 10 Big Mac. Au début, ils ont dit, la commande machin internet. Il y en avait deux, j'ai dit, j'en ai 5. Je vous donne les tickets, vous me faites tout d'un coup. Elle était là. Oh putain, qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces Big Mac, ce mystère? Eh ben, je vais faire ça, un food challenge, donc c'est parti. Let's go, on rappelle, qu'est-ce qu'il y a dans ce Big Mac? C'est super simple. On va avoir le pain sésame classique, on va avoir deux steaks, en fait, en tout. La salade iceberg, des petits oignons, un cheddar fondu, et petits pickles, évidemment, aussi. Et la fameuse sauce Big Mac, le classique, l'original. Donc c'est parti, let's go. On va voir, déjà, combien je mets de temps? Chronomètre. Putain, c'est quoi ça? Comment on peut faire? Hop. Appel à l'aide pour caler ça. Je cale ça par ici. Donc, hop, petit chronomètre, c'est parti, il est lancé. On va le caler là. Et on ne touche plus. Magnifique. C'est parti, let's go. Premier Big Mac. On l'ouvre. Il y a full. Oh là là, il a bavé lui. Il a bavé de ouf celui-là. Je commence à en mettre de là. Petite salade un peu partout. Ah, il est chaud, il est chaud. Il a bien réchauffé au four. Premier Big Mac, c'est parti. Jamais déçu par un bon vieux petit Big Mac. Assez chaud, un petit peu chaud, mais bon, pour les autres, ça va être parfait. Hop, premier Big Mac fini. Je mettrai un compteur par ici ou par ici. Compteur Big Mac en fait, tout simplement. Donc, on enchaîne, c'est parti sur le deuxième. En mode pur food challenge. Oh, 503 calories pour un Big Mac. Voilà, c'est marqué. On fait x10, 5030 calories pour ce food challenge. J'ai un petit peu mal à la dent en ce moment, c'est assez chiant pour manger. Je galère de ouf. 5 Big Mac, sinon, de défoncer. Donc voilà, on fait un petit tour. Yop, 5 Big Mac, on est à la moitié. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait un food challenge. Je sais plus où sont mes limites. Je pense que j'ai perdu un petit peu en appétit. Pour l'instant, ça va. Donc on va continuer tranquillou. Et voir où ce challenge nous mène.
J'espère quand même réussir à le valider. Donc c'est parti pour le sixième Big Mac. Il y a beaucoup de pain et à chaque fois, on n'oublie pas, il y a deux steaks en tout, ça fait quand même 20 steaks, même si c'est pas des très gros steaks. Oh, le pickle, il m'a défoncé la dent. J'ai une molaire qui est down. Faut que j'aille chez le dentiste. Ça fait super mal. Enfin bref, continue. Huitième Big Mac, fini. Ça fait beaucoup de papier. Youhou ! 8 Big Mac dans le belly. Ah. Je suis assez mal à la dent. Ça fait 3 ou 4 Big Mac que... Je dis, ça fait au moins 4 Big Mac que je mange que d'un seul côté. Du coup, je mange plus lentement et... C'est assez chiant. Je peux pas mettre des bons crocs comme j'ai l'habitude. Hop. L'avant-dernier Big Mac de ce challenge, à savoir le 9e. C'est parti, let's go. Honnêtement, je pense que le challenge va être validé car j'ai le ventre assez tendu, mais pas suffisamment pour être calé avec deux Big Mac en plus. Donc c'est parti, let's go pour valider ce challenge. Ouais. Et bien Big Mac, terminé. Ça y est, on arrive à la fin. Il nous en reste un. Hop. Je crois qu'on a écran noir ici, non? Ouais, on a écran noir. Look my face. Ok, 19 minutes 30. Le chrono, il continue bien de tourner. On fera pas en dessous des 20 minutes. Bon, après j'avoue, je pars avec un handicap. J'étais blessé, j'ai un petit peu mal à la dent, j'ai pu mâcher que d'un côté. Sinon, on aurait pu rentrer les 20 minutes. En tout cas, on n'est pas là pour une course, on est là en tout cas pour nous. Plus réussir à manger des Big Mac et on est bien parti pour ce food challenge, pour le réussir en tout cas. Donc c'est parti, le last, il est pas petit le last, bon, en fait ils sont tous comme ça, hein. Big Mac quoi, c'est big, c'est haut plutôt, surtout. Allez, let's go. Dernière bouchée de ce Big Mac Food Challenge, let's go. Bam. Ça. C'est bon, j'ai arrêté. Ah, fini. 23 minutes 07, 92 centièmes. Youhou, Food Challenge validé. Putain, le retour des Food Challenge, comme ça, j'arrive. Ouh, dans mon vaisseau spatial, j'arrive, je réussis direct ce food challenge, cette montagne de Big Mac, à savoir 10 Big Mac, le Big Mac food challenge. Je pensais pas, parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait food challenge, même si je mange plutôt pas mal en ce moment, j'avoue, j'ai une petite prise de masse, mais je mange plutôt souvent dans la journée par rapport à avant où je mangeais plus qu'une fois. Là, je mange souvent, il faut de la masse, il faut de la protéine pour le muscle. D'ailleurs, si vous voulez voir mes petits entraînements muscu que je poste, bah, c'est sur Instagram, si vous voulez aller voir. Puis des petites stories comme ça, de temps en temps, je poste quelques exos que je fais à la salle de muscu, si ça vous intéresse. En tout cas, je suis régalé. Big Mac, valeur sûre, on connaît, puis 3 euros, on kiffe. 30 euros les 10, ça fait plaisir, parce que si j'avais pris le tarif normal, je crois que c'est 4,95 ou 5, c'est entre 5 et 5,50 on va dire. Donc ça fait presque 55 balles pour les 10, là ça fait chier. 30 euros, ça va un petit peu mieux, on les apprécie encore plus. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo,
Moi, je vous invite à bombarder par le like, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, ou ceux qui viennent d'arriver, qui me découvrent, super important, et ça me fait super plaisir, le petit abonnement. Puis moi, je vous dirai prochaine pour une prochaine vidéo, le vendredi à 18h, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao, bye bye, et peace.